Donc bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu PS1, donc Crysis Beat, comme vous avez pu le voir. Petite intro un peu bizarre, hein. Alors déjà, vous allez le bateau pas du tout, pas. Allez, la démo qui se lance. Donc le bateau sur lequel va se passer notre aventure, pas du tout exagéré, bien évidemment, hein. Alors un jeu édité par Bandai. Alors pour les besoins du test, je vais mettre en facile. Vous me connaissez, hein. Je suis complètement nul. Même si le jeu n'est pas. Bah dis donc en facile, franchement, c'est tout à fait faisable, vous allez le voir. Hein. On va quitter. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Crysis Beat? Eh bien, c'est un beat'em all. Alors, dès le départ, on a le choix entre 4 personnages. Alors, 4 personnages, c'est vraiment pas mal. Alors, par contre, lui, voilà, j'ai pas encore joué avec lui, mais bon. En fait, si vous voulez, les deux premiers, ils vont faire un peu une aventure commune, on va dire. En fait, chaque personnage a plus ou moins, et eux aussi ils vont faire leur aventure. En fait, chaque personnage a ses petits embranchements spécifiques, ses petits trucs spécifiques. Donc ça, c'est vraiment sympa. Parce que c'est vrai que quand on finit le jeu la première fois, on se dit, bon, quand même, il est un petit peu court. Alors, il y a tout un putain de scénar, hein, que. En fait, en gros, c'est un espèce de piège en haute mer. À la japonaise, bien évidemment. Donc, il y a une bande de terroristes qui vont débarquer, qui vont prendre le contrôle du bateau. Puis nous, on est là par hasard. Enfin, en fonction des personnages, hein. On est là par hasard. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, à la force de nos poings, on va tous les massacrer. C'est assez rigolo, hein. Après, le scénar n'est bien évidemment qu'un prétexte à un gros jeu d'action, un gros beat'em all, qui est fort sympathique. Bah, vous allez le voir. Alors il y a pas mal, au fur et à mesure du jeu, il y aura pas mal de petites cinématiques, de petites choses comme ça pour nous présenter le contexte, nous présenter ce qui se passe, les méchants, ça c'est très caricatural, hein. C'est très japonais, hein, de toute façon. Mais après, c'est ça aussi qui me plaît dans le jeu. Globalement, c'est un jeu sympathique. Alors par contre, la mise en scène, elle est assez lente. Elle donne pas vraiment envie, là. J'ai déjà eu envie d'appuyer sur Start 10 fois. Alors là, trop fort, c'est le méchant. Alors c'est cool parce que c'est en japonais. Doublage japonais, ça fait quand même toujours son petit effet, hein. Donc là, il y a notre héros. Donc en fait, on traverse l'Atlantique, hein. Les mecs armés, il se dit, ouh là là, c'est en train de virer chocolat. Et oui, et on ne rigole pas avec les terroristes, vous allez le voir. Notre héros ne va pas se laisser démonter. C'est assez énorme. Donc, bon, comme vous pouvez le voir graphiquement, c'est pas super beau. Alors, bien sûr, c'est de la PS1. Alors là, voilà, on rencontre tout de suite l'autre personnage. Donc en fait, en gros, vous avez compris, eux, ils vont avoir une aventure en parallèle. Donc ça, c'est assez sympa. Quand on joue avec elle, du coup, ça démarre un petit peu autrement, mais on rencontre tout de suite l'autre héros. Donc ça, c'est assez sympa. Après, ce jeu-là, à deux joueurs, il est vraiment bien. Bah, les beat'em all, de toute façon, hein, dès que vous jouez à deux, hein, dès que vous jouez à plusieurs, c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors là, au fur et à mesure du jeu, on aura à chaque fois comme ça les niveaux qui seront montrés, comment dire, notre avancement dans le bateau qui sera à chaque fois montré comme ça. Donc voilà, on est sur un beat'em all. Alors action à chaque fois, il y a marqué, c'est assez rigolo. Ah, voilà, alors là, j'ai fait l'attaque spéciale. Donc on est sur un beat'em all très classique finalement. Sauf que c'est en 3D. Alors lui avec son couteau. Voilà. Et vas-y, je me suis nouveau trompé, super. Donc on a l'enchaînement de coups de poing, on a l'enchaînement avec les coups de pied. Et puis c'est à peu près tout. On peut également courir. On peut, voilà, choper certains objets. Alors faudra souvent les casser. Parce qu'en réalité, on s'en rend pas compte. Moi personnellement, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors déjà, voilà, ça peut blesser les ennemis. Mais souvent, il y a également des bonus de soins, en fait, dans les objets du décor. Parce qu'au tout début du jeu, je me disais, mais putain, on peut pas se... Il n'y a rien pour se soigner dans le jeu. Alors vous voyez, on peut varier les combos, hein. On peut
peut faire coup de poing, coup de pied, coup de pied, coup de poing. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, on peut ramasser le couteau. Et puis on va avancer comme ça. On sera à chaque fois dans des petites zones de combat. Faudra savater tout le monde. Et voilà, hein, c'est un jeu très simple qui va droit au but. Il est assez sympathique. Franchement, moi je l'aime bien. C'est juste dommage que. Alors là, on trouve parfois des armes. Alors, les armes, comme ça, vous avez vu, ça nous permet de finalement de dégager tout ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Alors, eux, faut les tabasser tout de suite, les mecs au couteau, parce que vous avez vu, ils peuvent foncer comme ça. Alors, nous, on peut ramasser le truc, mais c'est pas terrible. Hein. L'effet est pas génial. Après, quand on savate, les gars, on a quand même un petit sentiment de. On a un petit sentiment de les tabasser quand même. Donc c'est sympathique. Au fur et à mesure du jeu, en fonction de nos points et de ça, on peut gagner des vies. Parce qu'on a des vies. En fait, c'est un jeu très à l'ancienne. Il est en 3D, tout ça, mais finalement, c'est un beat'em all, ouais, très à l'ancienne. Ça aurait pu. Alors là, les chiens, faut faire gaffe. Alors heureusement, en tout cas en mode facile, vous avez vu, les ennemis sont pas trop vifs. On a le temps de s'occuper d'eux. Voilà. Donc on peut aussi courir, hein, faire une attaque comme ça. Faire une attaque où on court. On a aussi un bouton pour sauter, mais alors je vous avoue, je vous avouerai que je l'ai quasiment jamais utilisé. Alors là, trop fort. Alors faudra faire gaffe, hein, il y a des ennemis qui sont armés de mitraillettes. Il y aura, c'est vrai que au niveau des ennemis, vous verrez, ce sera assez varié dans le jeu. Donc un bon point, ça faut avouer, un bon point pour le jeu. Ah voilà, un pack de soins, bah ça faut le savoir quoi. Oh. Allez, doggy dog. Donc ça faut le savoir parce que franchement on pense pas forcément. Alors au tout début hein. Au tout début pour s'orienter comme ça en 3D, c'est pas forcément je sais pas, c'est pas super bien fait. Là moi j'ai joué quand même pas mal au jeu, donc j'ai la maniabilité en main, mais il y aura un petit moment avant de prendre correctement en main le jeu. Alors comme on peut le voir. Le truc qui est. Alors voilà, quand vous tabassez un ennemi sur un écran, un morceau du décor qui est destructible, bah vous avez droit à des petites animations comme ça, donc ça c'est assez sympa. Vous avez droit à des petites animations où ils pètent le décor, ou alors ils vont tomber. Il y aura plusieurs trucs comme ça. Donc ça c'est sympa. Après, il y a un des soucis du jeu, moi je trouve, c'est qu'il y a, il y a zéro. Au niveau sonore, il y a que dalle. Et ça c'est vraiment con. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, il y a très très peu de musique dans le jeu. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est un choix des développeurs. Eux, ils ont trouvé ça, je sais pas. Ils ont trouvé ça cool de faire ça. Moi, je trouve que c'est un peu. Alors là, il y a un gros balèze. Ah non! On va taper le mec. Alors, ils ont une barre de vie plus ou moins grande. Hein. Ça, c'est très classique. Hein. C'est très beat'em all à l'ancienne. Hein. Alors des fois, vous voyez, c'est un peu imprécis. Des fois. Putain, il m'emmerde, lui. Alors les coups de pied sautés sont complètement pétés. Franchement, c'est le truc que vous n'allez jamais l'utiliser. Mais ça, c'est à cause de la 3D. Vu qu'on a assez de mal, je trouve, à s'orienter. Hein. Du coup, on prend pas trop le risque de sauter comme ça, de donner un coup de pied qui va tomber à côté. Hein. Les lignes dans le jeu sont pas vraiment claires. Alors là, il y a des petits dialogues. Le jeu est parsemé comme ça de petites cinématiques, de petits dialogues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est vraiment. C'est vraiment. En fait, c'est pas tellement rigolo. C'est pas tellement bien. Vous avez vu, les personnages sont vraiment. Sont quand même assez laids. C'est un jeu qui date de 2000 quand même. On a eu quand même des jeux. Enfin, je veux dire, on a eu des jeux beaucoup mieux avec des modélisations de personnages quand même beaucoup plus réussies. Bah, de toute façon, la partie, ce qui pêche dans le jeu, selon moi, c'est de toute évidence, la partie graphisme. Les personnages sont pas très jolis. Dès qu'on les voit de près dans les cinématiques, ils sont franchement moches. Et au niveau des graphismes, ce qui pêche, moi, je trouve, c'est que, comment dire, les environnements, même s'ils varient tout au long du jeu, hein, ils ont essayé de faire en sorte qu'on se balade dans tout ce bateau. Les environnements sont vraiment, sont pas jolis du tout. Et la plupart du temps, ils sont quand même ultra vides. Enfin bref, les environnements, il n'y a rien qui donne vraiment envie, quoi. Je me demande s'il n'y a pas du soin là. Non.
Les environnements, c'est vraiment pas terrible. Là, il y a la petite fontaine, il y a un peu de verdure, ok. Mais c'est vraiment... Alors là, il y a les mecs avec les petits boucliers. C'est vraiment pas un truc de ouf, quoi. Et pareil, vous avez vu, pour ce qui est de l'animation, ben, c'est pareil, c'est assez... les gestes, les mouvements de nos personnages sont assez hachés, comme ça. En fait, ça fait très jeu 2D, hein, finalement. Le jeu, il est totalement dans une tradition beat'em all 2D, comme ça. Bon, ça, c'est... Au niveau de l'animation, c'est... Bah, vous le voyez, hein, c'est vraiment bof. Là, le décor est complètement vide. Il n'y a rien. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas de musique, comme ça, c'est assez bizarre. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous montrer. On peut aussi les choper, hein. Quand on s'approche à ces deux, hein, on peut les choper, les balancer, leur faire toutes sortes de petites prises, comme ça. Donc, ça aussi, c'est sympa. Bah... Ça, c'est un des avantages du jeu, un des atouts du jeu, c'est qu'au niveau des mouvements, bah, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, on peut les claquer au sol. Ça, faut avouer, il y a quand même pas mal de choses. Et chaque perso aura ses coups comme ça, aura ses combos. Donc ça, c'est quand même sympathique. Voilà. Alors là, on peut le savater à mort. Après, c'est sympa, mais vous voyez... Quand on joue juste comme ça, on se dit ouais, la mort de l'ambiance quoi, il y a zéro ambiance quoi. On est juste là, un mec, on avance, on tabasse, ouais, bah, c'est sympathique, mais. Ah, voilà. Alors vous avez vu, hein, faut vraiment bien péter tout le décor. Hein. En fait, on aura tendance à toujours faire le meilleur combo, moi je trouve, c'est le combo avec les poings comme ça. Parce que les autres, j'ai l'impression, alors après, c'est peut-être juste une impression qu'ils enlèvent de toute façon moins de vie. Dès qu'on commence à mélanger les combos, en fait, ça enlève moins de barres de vie au personnage. Hein. Sauf si, à moins que je me trompe. Hein. Là, vous voyez, changement de décor, donc c'est sympa. Là, on va affronter le premier boss. Alors ça, par contre, c'est cool parce que les boss, c'est une... Ah non, c'est pas tout de suite le boss. C'est des galeries de personnages haut en couleur, comme ça. Les méchants, ils ont un groupe de... Bah, un peu à la Saint Seiya, un peu à la... Un peu comme dans tous les mangas, on va dire, le méchant, il a il a ses sous-fifres. Qui ont chacun un truc particulier. Et donc on va tous les affronter au fur et à mesure du jeu. Ça c'est sympathique. On aura chaque fois un boss différent avec ses propres coups, ses propres pouvoirs. Et ça c'est cool. Voilà, tabasser. Bah, pareil pour foncer, faut faire gaffe parce que on a souvent tendance à donner un coup complètement à côté. Et ça c'est con aussi. Allez, hop là. Des fois on a du mal à faire la prise. Alors la maniabilité. Merde, mais pourquoi j'ai fait ça? La maniabilité, elle est correcte, mais il faut un temps d'adaptation, comme je vous ai dit. Mais après le jeu, le problème, c'est qu'il est assez, il est pas super percutant, quoi. Il est un petit peu mou, un petit peu. Disons que quand on cogne, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est pas un truc de ouf. Mais on leur fout quand même des bonnes patates, hein. Alors là, je crois que c'est passé. On va le voir maintenant, le premier boss. Donc, grosso merdo, un jeu sympathique. La durée de vie est quand même un petit peu correcte si vous voulez finir le jeu avec chaque personnage, voir tous les petits embranchements différents. Après, l'histoire est anecdotique, on s'en fout. Les cinématiques sont vraiment pas terribles. Donc là, il n'y a rien de spécial. Alors là, peut-être ce décor-là, il est un peu mieux. Tout le jeu, on va le passer sur ce bateau. Ce décor, il me fait penser, ben, avec le, évidemment, hein, parce qu'on a connu les jeux, ça fait forcément penser au bateau, à la séquence en tanker de Metal Gear 2, quoi. Mais en beaucoup moins bien, forcément. Hein. Alors là, vous allez voir. Ça y est, premier boss, un gros vicelard avec ses épées, là. Déjà rien. Oh la gueule. Il a vraiment pas une gueule de porte-bonheur celui-là non plus. Moi j'aime bien quand il y a marqué action comme ça. Alors grosso modo les boss, faut juste faire... Voilà, quand ils se relèvent, faut faire gaffe. Oh, putain, enfoiré. Les boss sont pas trop dangereux, ça va. Faut juste faire gaffe à chaque fois quand ils se relèvent. Voilà. Ils sont pas trop chauds la plupart. Ça peut aller. Il y a juste... Ouais, le dernier boss quand même, il est un peu chaud. Mais sinon la plupart, ils sont tout à fait prenables. Donc ça... Ça d'un côté, c'est sympathique parce que vous savez, dans les beat'em all, surtout les beat'em all à l'ancienne, ce qui est hyper énervant, c'est que souvent les boss, c'est des énormes sacs à PV et surtout ils vous foutent des patates, ils vous détruisent en fait.
Alors là, trop fort avec le petit effet. Petit effet ralenti comme ça. Cool. Notre héros qui prend la pause. Heiji! Trop fort, Heiji. Allez, on va continuer à péter des gueules. Alors, je vous laisse apprécier. Hein. Voilà, donc ça, c'est d'autres persos qu'on va affronter, vous avez compris. Hein. Alors qu'ils sont quand même vachement laids. Hein. Là, quand vous regardez bien, il est vraiment moche, putain, c'est horrible. L'autre qui se pose un peu des questions sur sa mission. D'ailleurs, on comprend rien, on sait même pas ce qu'ils veulent. Je vous signale, on a regardé les cinématiques, on a rien compris. On s'en fout, c'est des gros tarés, on va tous les massacrer. Ouais, donc vous voyez, il n'y a rien de passionnant au niveau des dialogues. Hein. Les voix sont pas mal, par contre, les voix japonaises sont sympathiques. Après, les japonais, hein, au niveau du doublage, ils sont toujours très très bons. Hein. Celui-là, s'il aurait été en français, alors je sais pas s'il y a une version française de jeu, je crois pas. Hein. Moi, j'ai que cette version. Ça aurait pu être hyper drôle, avec les, surtout avec les doublages bien pourris qui nous pondaient à l'époque. Bon, on s'en fout complètement. Alors, heureusement, on peut les passer. Hein. Je vous épargne le truc, parce que de toute façon, franchement, on s'en tape. Et là, on rencontre les deux autres persos, vous voyez? Donc ça, c'est les deux autres persos qu'on peut aussi incarner. Donc quand on incarne eux, vous comprenez bien qu'on fait une aventure avec des niveaux qui sont pas tout à fait pareils. Mais ça, c'est vachement sympathique. En fait, c'est l'idée un peu de... Quelque part, c'est l'idée un peu de Resident Evil 2, quoi. Alors ça, par contre, grosse cinématique d'action. Je vais vous la laisser. Parce que c'est peut-être un bateau de croisière, mais il a... mais il a du répondant. Non mais c'est n'importe quoi. Ça tire des missiles de partout, mais... Non mais... Voilà, ils ont atomisé, je pense... Je sais pas, j'imagine que l'armée, ou alors que les gens voulaient se barrer, ou alors c'est l'armée qui a tenté une intervention. Donc, missiles. Les mecs ne rigolent pas. Ouais, c'est les secours, c'est l'armée. Donc ils ont tué tout le monde. J'adore notre héros qui pète un câble. Je vais leur botter le cul trop fort. Lui il est assez cool aussi. Alors lui il est à chier. Hein. Il y a toujours ces archétypes de perso dans les beat'em all, c'est ouf. Hein. Voilà, donc là on va continuer. Là, on est dans la partie Central Hall, Center Floor. Je sais pas si c'est la partie où il y a l'espèce de magasin, les boutiques, là où je sais pas quoi. Après, le jeu, il y a... Alors là, le décor, il est un poil mieux quand même. Là, on a un peu de musique. Mais faut se méfier parce que eux, ils ont des flingues. Alors eux, faut vraiment les savater en priorité. Hein. Ça, c'est eux qu'il faut buter en priorité. Hein. Bah, vous voyez que les... On a de la chance quand même dans le jeu. Alors, c'est peut-être parce que je suis en facile. Hein. Mais globalement, c'est vrai que les ennemis, vous avez vu, ils sont assez... ils sont sympas, quoi. Ils attendent leur tour pour se faire taper, comme on dit. Ils sont assez sympathiques. Ils exagèrent pas trop, quoi. Ils sont polis, on va dire. Faut juste se méfier. Alors là, on va courir. Ouais, voilà. Je savais qu'il y en avait un autre. Merde. Voilà. Alors les éléments du décor, ils font pas mal de dégâts, hein, mine de rien. Ils blessent pas mal les ennemis. Alors des fois, vous avez vu comme là, il y a des petits changements, petits mouvements de caméra, petits changements. Ça a pas une... Putain, souvent on voit pas tout le décor. Il y a un...
Alors voilà, comme il y avait le banc, je lui pète sa gueule. Merde. Alors voilà, ouais, vous avez vu, hein, typiquement, hein, je donne le coup de poing et je tape à côté juste parce que j'ai pas le bon alignement. Alors là, pareil, trop fort, counter. Putain, là, j'ai bien réussi plusieurs fois. Alors ça, c'est sympa, ça rend le truc un peu plus dynamique. Bon, là, tout de suite, avec un peu de musique, c'est tout de suite un peu mieux. Hein. Même si elle était... elle était, somme toute, pas terrible. Hein. Alors là, il y en a plein d'autres qui arrivent. T'as les mecs qui tirent carrément des genres de bombes. C'est quand même des oufs. Hein. Trop fort, la petite roulade. Alors, il y a quand même une envie de faire une petite mise en scène dans ce jeu. Hein. Alors, le studio qui a fait le jeu... Alors, c'est édité par Bandai. Par contre, le studio... Ah, ça, c'est pas mal. Bah, la séquence dans l'ascenseur à la Street of Rage. Hein. Évidemment, j'ai envie de dire. On va se faire agresser. D'ailleurs, on se demande d'où ils débarquent, tous ces mecs. Encore eux, ils sont bizarres. Alors, on va dire, ouais, bon. Des genres de ninjas. Ah, putain. Mais putain! Voilà, alors si je fais n'importe quoi, ça va pas aller. Mais... Alors là, je joue très très mal. Mais putain! Vite. Voilà. Parce qu'ils vous enchaînent hein, quand ils commencent à s'exciter, là, comme là, vous avez vu. Les uns derrière les autres, ils vous enchaînent, vous pouvez rien faire. Ça, c'est une séquence en plus où il y a vraiment pas mal d'ennemis. Faut bien regarder ce qu'ils font parce que dès qu'ils déclenchent leur attaque, faut se barrer. Faut se barrer en courant. Alors vous voyez là, là j'enchaîne les coups de poing quoi. Hein. Le combo le pour moi hein, le plus efficace. Que les coups de pied, j'ai l'impression aussi que ça enlève un peu moins. Ce qui est un peu bizarre, hein, mais bon. C'est comme ça. Après, je pense que c'est pas tout à fait pareil en fonction des personnages, évidemment. Hein. En tout cas, le héros, c'est comme ça, il tape vraiment fort avec ses poings. Alors là, trop fort. C'est vrai qu'on est dans la période de Noël, hein, d'ailleurs. Ça fait penser aussi à... En fait, le jeu, il a un petit côté die-hard, quelque part. Parce que là, c'est Noël. Surtout, par exemple, moi, je trouve surtout cette pièce-là. Ça fait vraiment penser à die-hard. Au Nakatomi Plaza et tout ça. Je sais pas. C'est mon avis. Hein. Alors, est-ce que c'est l'inspiration de ceux qui ont fait le film, j'allais dire. Le jeu, je ne sais pas. Alors là, vous avez vu encore un autre type de personnage. Hein. Une espèce de mec comme ça, technique de la... technique de la menthe religieuse. Je sais pas, ils ont des postures un peu bizarroïdes. Là, on va bientôt affronter le deuxième boss. Technique de la menthe religieuse. Ah, merde. Ah, faut se méfier. Ah, putain. Alors, heureusement, ceux avec leur flingue, des fois, bon, des fois, il faut deux enchaînements, hein, donc bien faire gaffe. Hein. Merde. Alors, on peut pas trop les infiniser, parce que vous avez vu, quand vous commencez à taper, il fera forcément tout l'enchaînement. Hein. Et merde. Ouais, quand vous commencez à mélanger les... J'ai pas trouvé d'enchaînement vraiment surpuissant, quoi, à part matraquer chaque bouton, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Alors, le jeu, si je devais lui donner une note, ben... C'est un jeu sympa. Après, il est passé... Alors, à l'époque, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Je ne connaissais pas ce jeu, franchement. Je l'ai jamais vu spécialement au magasin. J'ai jamais vu la jaquette... Honnêtement, c'est un jeu... Même dans les magazines, ça me dit absolument rien. Alors là, il y a l'autre, là. Fait le malin. Alors lui-même... Ça, c'est le boss. Lui-même, il a deux autres sous-fifres. Après, ils sont vraiment moches. Hein. Vous avez vu, ils sont vraiment laids, quoi. Ils sont vraiment mal faits. Ça, c'est pas génial. Alors là, il nous pète la gueule. Dire... Oh putain, alors là, il m'a... Vous avez vu comme il m'a savaté. Voilà. On les fout tous à... Merde. Ah putain, ils sont chiants là. Là, ils sont chauds. Hein. Voilà, on va tous les savater. On va essayer déjà de lui péter la gueule à ses sous-fifres. Ils sont quand même dangereux. À 3 là, ils nous maravent. Vous avez vu ma barre de vie, j'ai presque. Je suis à deux doigts de perdre ma première vie. Alors, c'est pas trop grave hein, dans le sens où. Voilà, lui il est mort.
Voilà. Non! Enfoiré! Ah! Non! Ah, il m'a eu l'enfoiré, putain! Bon, après, c'est pas grave. Alors, ce qui est bien, voilà. Ça, c'est un truc qui est sympa dans le jeu. C'est que quand on meurt, donc on revit immédiatement au même endroit. Donc, ça déjà, c'est cool. Et en plus, il balance une super attaque d'office. Donc, si vous êtes mort et qu'il y a les ennemis autour de vous, si vous n'avez pas été projeté ou quoi, eh ben, tout de suite, ils encaissent une attaque. Donc, ça, c'est cool. Allez. Alors vous avez vu les boss, on peut quand même les enchaîner, hein. Ça va, c'est pas trop chaud. Il y a même, vous verrez, il y a certains boss, la technique c'est de se... La plupart des boss c'est de faire ça, les faire tomber, se coller à eux, voilà. Et appeler quand même malade pour les enchaîner, à peine ils se relèvent pour les empêcher de faire leurs attaques et les enchaîner quoi. Bah en fait rien que là vous avez eu un... Vous avez déjà eu un bon aperçu du jeu quoi, hein, tout le jeu. J'ai envie de dire, il n'y a rien de plus quoi, tout le jeu c'est ça, avec des niveaux différents, des embranchements différents. Le truc bien dans le jeu c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis différents aussi, les boss sont variés, il y aura pas mal d'ennemis, donc il y aura des ennemis vous verrez avec des lance-flammes, il y aura pas mal d'ennemis, le bestiaire est assez varié, hein, assez sympathique. Bon on s'en fout, hein, on va passer, de toute façon le niveau scénar c'est le niveau... C'est l'encéphalogramme plat, quoi. Il n'y a rien. C'est vraiment pas intéressant. Puis voilà. Alors, est-ce que je vous le conseillerais Je sais pas trop. Bah, en fait... ah, voilà. Alors là, il y a les mecs aux lance-flammes. Il y a les meufs avec les espèces de... Ah, il y a les gars à l'arbalète. Alors là, ça devient... ça aussi, c'est pareil. Alors là, on revient... dans la zone d'avant. Là, je trouve ça c'est le bestiaire, c'est genre, ça commence à devenir du n'importe quoi. Mec au lance-flamme, ok, mais alors le mec à l'arbalète, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Ça fait un truc, d'un seul coup, ça fait un truc moyenâgeux, on sait pas trop pourquoi. On se dit, tiens, étrange. Alors par contre, vous avez vu ce qui est assez salaud, c'est que entre les niveaux, notre barre de vie ne remonte pas, quoi. Donc en fait notre barre de vie vraiment on la garde telle qu'elle est du début à la fin quoi. Il y aura pas de on recommence quand on commence un nouveau niveau, ben on a la barre de vie qu'on avait avant quoi. On n'a pas plus de vie, on n'est pas soigné automatiquement. Ça y a pas dans le jeu. Alors là je viens de gagner une vie, vous avez entendu. Il y a eu le petit jingle là. Ah les meufs comme elles gueulent. Ah purée. Oh non, il m'a cramé deux fois. Alors, heureusement, ça ne vous prend pas trop de dégâts. Hein. Alors, le jeu est pas très frustrant. En plus, il est assez simple. Moi, c'est un jeu sympa. Franchement, si vous adorez Fighting Force, si vous êtes un peu nostalgique comme ça... C'est vrai que les Beat'em All 3D, les premiers, ils étaient pas... Enfin, pas terribles. Ils ont mauvaise réputation. Parce que la maniabilité est pas au point, parce que même si on a des bons, hein, il y a l'autre là, comment il s'appelle, Die Hard Arcade. Celui-là il est excellent. D'ailleurs je vous le présenterai. Il y a Fighting Force évidemment. Et puis il y en a quelques, mais la plupart en fait il y en a très peu qui sont connus quoi. Ben là je viens de vous citer les deux qui sont connus. Par exemple Crisis Beat, personne le connaît quoi. Il y en a d'autres là, faudra que je vous les teste, faudra que je voie si ça vaut le coup. En tout cas, c'est pas une bouse. C'est un jeu qui manque un peu d'ambiance, qui manque un peu de patate. Mais c'est un jeu sympa. Je pense qu'à deux, il y a moyen de s'amuser si vous êtes vraiment un gros fan des Beat'em All. Ah ! Putain. Alors, vous voyez, notre personnage, il est quand même très très lent. Hein. Quand il marche simplement, il est quand même vachement lent. Mais je pense que trop rapide, ça aurait pas allé non plus parce qu'on aurait eu du. Vu qu'on a du mal un peu parfois à s'orienter, on aurait été trop rapide. À mon avis, on aurait eu beaucoup de mal à jouer. On a trop fort, on se mitraille le cul. Allez, hop, c'est reparti. Mais quand il n'y a pas de musique comme ça, il y a zéro ambiance, quoi. C'est vraiment étrange. Alors, je sais pas si... Merde, maintenant, je sais plus si... J'ai parlé de la note, mais je sais plus si... De toute façon, c'est un 12, hein. C'est un jeu sympa. Et c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais en fait c'est pas un chef-d'œuvre et c'est pas une bouse. Donc je lui mettrai un petit 12, même peut-être même un petit 11, hein, parce que c'est pas non plus... Ah merde.
Ça c'est con, hein, vous voyez, j'ai pas pu ramasser le soin. Alors là, trop fort, on a tout de suite un autre boss. Une espèce de militaire bizarroïde, là on va lui péter sa gueule. Allez. Alors lui c'est pareil, il est pas trop dur. Mais en fait la plupart des boss, c'est ça qui est rigolo, c'est en faisant ça, voilà. Là vous avez vu déjà, je lui ai enlevé pas mal. Il va faire sa petite attaque sautée, lui. Lui il a une espèce d'attaque sautée comme ça en roulade. Ouais, il est assez couillon, hein. Ouais, c'est sûr, vous voyez ça, vous dites, mais dis donc, franchement, Pouiche, ton truc, c'est de la merde. Ton jeu, il est pourri, quoi. Et c'est pas non plus. Ah, sale con. Salopard. Tiens. Allez, je te pète ta gueule. Ah, il m'énerve. Putain, en fait, on a du mal à. Je voulais partir à chaque fois en courant, mais comme on est lent comme une vieille asperge, là. Allez, crève. On lui a bien pété sa gueule. Bon, c'est un jeu assez nanar, hein. Trop fort. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est ça aussi qu'on aime bien. Donc un jeu sympa, un jeu totalement inconnu, hein. Mais ça me faisait plaisir de vous le présenter. Je l'ai fait en entier là avec deux persos l'autre jour et je me suis dit, tiens, il est quand même sympathique. T'as le look de chiasse, quoi. Même le méchant est caricatural, putain. Méchant random de manga japonais. Oh putain, trop fort la princesse là, ou je sais plus qui c'est celle-là. Putain, c'est quand même énorme. Hein. Putain, il est de ces têtes de psychopathe là. Avec son pif là. Oh, c'est marrant quand même. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, je vais juste voir le prochain niveau. Alors, vous avez vu, on avance super bien dans le jeu, hein. Il n'y a pas trop de problèmes. Après, en normal, alors là, c'est clair que vous allez avoir plus de difficultés, hein. C'est forcément plus dur. Trop fort, les mecs qui sautent de partout. Voilà, on les dégage. Ouais, là on est dans la partie boutique, là ce que je vous parlais avant. Moi j'aime bien quand il y a les petites animations, ça c'est vraiment sympa. Ce qui est con, c'est que, en fait, moi je trouve ce qui est con pour les soins, c'est que ça devrait être indiqué, alors j'ai pas fait gaffe, hein. Ça devrait être indiqué les objets dans lesquels il y a du soin. Comme ça on le sait et on essaye de les péter avant de passer à la zone, parce que vous avez vu, hein, dès qu'on a tué tous les ennemis d'une zone, et ben on avance automatiquement. Donc comme avant, j'ai avancé, donc j'ai pas pu ramasser le soin qu'il y avait, donc c'est vraiment con ça. Ah lui. J'adore le cri qu'elle balance les meufs. Hop là, dégage. Ah, il est pas mort. Voilà. Une pichenette, il clams. Allez, crève. Allez, crève. Allez! Trop fort. Alors là, il y a de la musique d'un coup. Là, pareil, il y a de la musique. Mais alors, c'est quand même plus sympa qu'il y a de la musique. Mais je sais pas pourquoi il n'y en a pas tout le temps, quoi. Bah, disons qu'avec de la musique, il y a quand même un poil plus d'ambiance, quoi. Trop fort. Même si bon, elle est quand même globalement à chier. Je sais pas si vous l'entendez bien avec la capture, mais globalement la musique elle est assez à chier là. Puis ça coupe comme ça d'un seul coup, c'est assez bizarroïde. Hein. Là on est dans le petit casino, ça aussi c'est cool. Alors ils ont quand même, malgré tout, hein, je critiquais les décors, mais ils ont quand même essayé vraiment de varier les environnements, hein. Ça, c'est sympa quand même. Et allez, on continue à péter des gueules.
Après, je vais vous dire, honnêtement, je m'amuse quand même, hein. Franchement, c'est quand même sympa. Tiens. Ah putain, l'autre! Hop là. Eux, ils font chier avec leurs griffes, tiens. Mange-toi ça. Et voilà. Ah, faut vraiment se méfier des mecs avec les guns, hein, parce que du coup, ils vous explosent, hein. Enfin, ils peuvent vous tirer à distance, même si vous avez vu la difficulté et pas non plus. Après, pour une fois, je maîtrise, mais bon, j'ai mis en facile. Je ne sais plus si en mettant. Ah! Je sais plus si quand on met en normal, il y a plus d'ennemis. À l'instar d'un Street of Rage, d'un Final Fight, où il y a plus d'ennemis, quoi. Alors là, c'est trop fort. Alors la PS1, elle est pas mise à contribution plus que ça avec ce jeu, hein. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Elle est pas en souffrance, quoi. Alors vous voyez, quand on change le combo, ça prend très peu de vie, hein. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à faire. Ah voilà, je me doutais. Je sais pas pourquoi. Je me doutais qu'ici il y aurait peut-être du soin. Alors heureusement, ils tirent pas comme des oufs, hein. Non, on va passer dans la zone suivante. Merde. J'adore quand on les chope, c'est pas mal. J'adore les petites animes là avec les. On pète le décor. Ça par contre c'est vraiment cool. Ce qui est marrant c'est que dans le premier niveau quand on est. Oh, à l'extérieur du bateau. Si on les tape au bord du décor, c'est-à-dire sur les garde-corps du bateau, bah en fait on peut carrément les balancer par-dessus bord. Ça c'est assez rigolo. C'est con, j'ai pas réussi à vous le montrer. Mais c'est vraiment sympa. Alors c'est quand même très sommaire, hein. Mais bon, on avance comme ça dans le jeu, c'est sympathique. Alors là par contre, ouais. Là par contre, la mise en scène, c'était pas mal. Avec la caméra à l'extérieur, comme ça. Trop fort. Putain, l'autre, il nous fait tomber. Alors pareil, les personnages qui changent. Oh, il a essayé de jeter le couteau, cette enflure. Purée, l'enflure. Allez, on va le tuer. Alors vous avez vu, globalement, ils sont assez stoïques, hein, ils font pas grand-chose. Hein. Heureusement. Bon après, heureusement, vous me direz, parce que nous, on est quand même vachement lent. Alors là, c'est pas mal, on peut balancer des patates droite-gauche. Voilà. Ça, c'est un des trucs sympas du jeu. On peut changer de perso comme ça quand ils sont autour de nous. En plein dans un combo. Et ça, en fait, c'est quand même pas mal. Parce que comme ça, on peut en attaquer plusieurs en même temps. Surtout quand ils sont autour de nous, comme ça, comme vous avez pu voir. Bah, Crazy Beat, c'est un jeu sympa. Le studio, alors je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Hein. C'est Soft Studio, si je me trompe pas. Alors, encore un boss à la con. Lui aussi, là. Alors là, j'adore l'autre, il se bat avec son balai. Avec sa brosse à récurer, c'est énorme. Mais n'importe quoi. Alors, lui, c'est genre capitaine du navire. Encore un psychopathe trop fort avec ses petites lunettes, sa petite gueule là. Alors oui, hein, ben bien sûr, il y a une tempête. Bon allez, on s'en fout, on va te péter la gueule. Tu commences à nous énerver avec tes histoires là. Ouais, donc le studio inconnu. Alors lui, par contre, il est aidé par ses sbires. Il est quand même capitaine du navire, hein, donc. Enfin, a priori. Hein. Alors lui, il est chiant parce que du coup, comme dit... Ah, merde! Il est aidé par ses sbires et ses sbires, c'est les mecs au couteau. C'est tous ses disciples. C'est tous ses disciples. Comme le mec a un couteau, on se dit, tiens... Ah, putain, salaud, il donne son coup de pied pourri, là. Ah, il est bidon, franchement. Il fait quand même relativement pitié, quoi. Voilà. Ah, faut savater une tonne de mecs. Mais au bout d'un moment, il me semble bien qu'au bout d'un moment, ils viennent plus. Au bout d'un moment, ils se retrouvent tout seuls. Tout seuls. Ces mecs le lâchent. Ah, c'est quand même amusant. Franchement, je m'amuse quand même. C'est rigolo. C'est rigolo, franchement.
Merde, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi j'ai fait mon attaque spéciale? Alors l'attaque spéciale, comme dans tous les beat'em all, hein, elle vous permet de vous sortir des situations épineuses. Oh, voilà. Bon, il est pas trop dur non plus, hein. Mais le souci, c'est que vous perdez de la vie, évidemment, hein. Donc c'est ça le truc. Alors lui, il a une espèce de dragon punch. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'il reste deux niveaux avant la fin de jeu. Deux ou trois niveaux. Trop fort. Alors, l'histoire, on n'en a rien à carrer, mais d'une force. Bah, écoutez, un bon petit jeu à découvrir. Un jeu totalement inconnu. J'espère que je vous ai fait découvrir ce jeu. Il est quand même sympa, surtout si vous y jouez à deux. Pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent découvrir des jeux qui jusqu'à présent on n'en a jamais parlé ou des trucs comme ça sur des supports. C'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu sympa. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.